Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le lunchmat Amram Yona Ben Chana Peggy Bat Esther Nissim Bat Aouda Michael Novikov et aussi l'Irfouat Rud Bat Claudine Traina et Simcha Bat Masoudi Betor Shav Chole Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Edouyot Perek Bet Mishnah Aleph. Rabbi Chaninas Gana Kohanim Heid Arbaa Dvarim Mimehem Shel Kohanim Lo Nimneu Minisrof Et Abasar Shinitma Bivlad Atuma. Im abasar shnitma be'av atuma af alpi shemosifin tuma al tumato. Osif Rabbi Akiva, mimehem shel kohanim lo nimneu miladlik et hashemen shenifsal bitvul yom bener shnitma bitmemet af alpi shemosifin tuma al tumato. On va parler dans notre Mishnah de tuma, d'impureté. Deux petites introductions et on attaque tout de suite la Mishnah. Tout d'abord, la hiérarchie de la tuma, de l'impureté, on la classe dans la Torah avec cinq niveaux essentiels. On les appelle Avi Avot, Avatuma, Rishon ou Vlad Rishon, Vlad Sheni, Vlad Shlishi. Avi Avot, si on traduit, ça fait le père du père, donc le grand-père. On fait en fait une famille. Et en réalité, cinq niveaux d'impureté, avec la plus grave des impuretés, c'est le mort, le Avi Avot Atuma. En dessous de lui, il y a le Avatuma, celui qui a touché le mort, ou encore celui qui a eu différentes impuretés qui sont sorties de son corps, de Tumat Ziva, la Nida et tout ça, elles sont Avatuma. Après, il y a ce qu'on appelle le Rishon, la Tuma, le Vlad Rishon, dans notre Mishnah ça va être le Vlad, c'est celui qui a touché donc, les causes d'impureté qu'on a évoquées. Et après, il y a Vlad Sheni, le deuxième niveau, deuxième fils. Et après, le cinquième, c'est le Vlad. Vlad Shlishi, d'accord. Maintenant, ça, donc, c'est une hiérarchie. Il y a des règles, plusieurs règles, de quelle manière l'un impurifie l'autre. D'accord. Si le Avi Avot, le grand-père, va toucher quelqu'un, si quelqu'un va toucher plutôt le grand-père mort, d'accord. Donc il va entrer en contact, lui, il va devenir Av. Et quand ce Av, il va toucher un aliment, l'aliment, il va devenir Rishon, et ainsi de suite. Il y a plusieurs règles comment communiquer la Touma. De manière générale, chaque fois qu'on va la communiquer, alors elle va perdre un niveau, à une exception qu'on évoquera dans le sud de la Mishnah, c'est le climat Techet, on en parlera d'ici quelques secondes. Ensuite, deuxième introduction à connaître, c'est la conduite avec les aliments qui sont Kodesh, qui sont saints. Par exemple, si j'ai de la nourriture, j'ai de la viande d'un korban chez moi à la maison, ou par exemple le Kohen qui a de la Trouma chez lui, les prélèvements du Kohen ils ont une doucha spéciale, alors la Torah elle prescrit de veiller à ne pas les rendre impurs. Il y a un interdit de les rendre impurs, d'accord. Il n'y a pas d'interdit de rendre impur quelque chose de pur, mais pour tout ce qui est Kadosh, il y a un interdit de le rendre impur. Soit, on va prendre un cas classique, j'ai un Kohen qui a de la Trouma chez lui, il a de l'huile de Trouma, qui peut utiliser en mangeant par exemple, il n'a pas le droit de la rendre impure en la mettant dans un ustensile qui n'est pas pur, donc, et qu'à cause de ça, maintenant il ne pourra plus manger cette huile, il devra nécessairement la brûler. D'accord, c'est une halakha, c'est de faire une mishmeret la trouma. Mishmeret trumotai, le pasuk nous dit, de garder la trouma. Voilà pour les deux introductions. Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de savoir est-ce que lorsqu'il y a du Kodesh ou de la Trouma qui a été déjà impur à un niveau faible, est-ce qu'il y a un interdit de lui ajouter une Touma plus grave? Et la Mishnah veut nous enseigner que non, avec deux témoignages. On commence concrètement Edouyot, dans la mesure où Edouyot, c'est une maserhet où on recueille plein de témoignages. Donc c'est le sujet de notre Mishnah avec Rabbi Chanina Sgana Kohanim, qui était, donc, comme son nom l'indique, Rabbi Chanina, qui était le second, le sous-directeur, en fait, le sous-Kohen Gadol. C'était le second du Kohen. Rabbi Chanina Sgana Kohanim Eid Arba'a Dvarim. Dans cette fameuse journée où on avait exclu du Beth Amikdash Rabbi Yoshua, Rabbi Gamliel plutôt, alors, il y a eu, comme on avait expliqué, qu'il y avait eu plusieurs Tanaïm qui étaient venus, qui avaient témoigné, qui avaient apporté des enseignements de leur maître, des transmissions qu'ils avaient. Et en l'occurrence, on avait eu Rabbi Chanina Sgana Kohanim qui est venu et qui a témoigné quatre choses. Donc, les quatre prochaines Mishnah, ça va être les témoignages de Rabbi Chanina Sgana Kohanim. Le premier d'abord. Mimehem shel Kohanim. Depuis l'époque des Kohanim, lui qui était le second des Kohanim du Beth Amikdash, il se souvient que depuis son enfance, il se souvient que chez les Kohanim,
לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמע בבלד התומה, עם הבשר שנטמע באב התומה, אף על פי שמוסיפים תומה על תומתו. Depuis l'époque des Kohanim, depuis que j'étais petit et depuis toujours en réalité, on ne s'est jamais, l'onimneu, on ne s'est jamais empêché, milisrof, de brûler, et tabassar shinitma bivlad atuma, s'il y avait une viande au Beth Amikdash qui avait reçu comme impureté de, d'être un vlad atuma, le premier, l'enfant premier de l'impureté, donc niveau 3, d'accord, puisqu'il y a le grand-père, Aviavot, Av, et le premier c'est Vlad Rishon. Avec une viande qui a été impurifiée par un niveau de avatuma, de père, donc deuxième. Afalpish mosifin tuma al tumato. Bien qu'on va lui ajouter une impureté sur l'impureté. Donc je reprends la phrase et soyez attentifs, vous allez voir l'anomalie. Il nous dit, s'il y avait une viande qui a été impurifiée avec un niveau ben rishon, donc avec le niveau 3, donc la viande elle a été impurifiée, elle est tombée au niveau 4, ouais, puisque la viande a touché quelque chose qui était une viande pure, qui a touché une viande qui était impure au niveau 3, qui était Vlad, donc elle est devenue Touma, elle est maintenant au niveau 4. Et ben, depuis toujours, on ne s'est jamais empêché de brûler en même temps, puisque la viande impure, il fallait la brûler, on l'a brûlée en même temps que la viande qui était impurifiée avec le Av, avec le niveau 2, donc la viande elle est devenue 3. Donc en fait, on se permettait, depuis toujours au Beth Amikdash, de brûler le niveau 4 avec le niveau 3. Ouais. Afalpish et Mosifin Tumal Tumato. Bien qu'on lui ajoute une Touma sur cette viande. Vous allez me dire tout de suite, mais c'est faux. Si un 4, il touche un 3, et bien le 4, il ne va pas devenir 3. Puisque le 3, niveau 3, quand il va toucher quelqu'un, il va le rendre niveau 4. Donc un 3 qui va toucher un 4, il ne va pas lui ajouter une Touma, il ne va pas l'enfoncer encore plus dans sa Touma. Donc il y a une anomalie dans la Mishnah. D'accord ? Il vient, il témoigne en réalité. Le but de la Mishnah, c'est de nous dire, sache qu'à partir du moment où la viande est impure, c'est pas grave si tu vas l'impurifier plus, puisque de toute façon, le but de cette viande, maintenant, la finalité de cette viande, c'est de se faire brûler, parce qu'elle est impure, on s'en moque si tu ajoutes une touma plus grande. Bon, l'idée, le principe, on l'a compris, c'était très bien. Le problème, c'est que concrètement, il te prend une viande qui a été impurifiée avec un niveau 3, avec une, et qui, tu la mets en contact avec une viande qui a été impurifiée au niveau, avec, qui a touché une viande qui a été impurifiée au niveau 2. Donc ça veut dire qu'on a une viande 4 et 3 ensemble, et tu les brûles ensemble, ben, tu ajoutes pas de touma sur la première. C'est pour ça que le Bartanoura, il va tout de suite nous corriger. Regardez la première phrase du Bartanoura. Bichanina, zekana kohanim, milistrof et abasar shinitma bivlad atuma bivlad shel vlad kaamar. On parle pas que c'était un vlad, c'était un premier fils. C'était un Vlad Shel Vlad, le fils du fils, le niveau 4. Alors là, maintenant, tu me dis qu'il y a une viande qui a touché le niveau 4, donc elle est devenue 5. Avec une viande qui a touché le niveau 2, donc elle est devenue 3. Là, maintenant, tu as un intérêt dans ta phrase. Le niveau 3 et le niveau 5, eh ben, on se permettait de les brûler au Beth Amikdash ensemble, même si tu ajoutais un niveau de Touma plus grave, puisque le niveau 5, il allait devenir 3, quand il allait devenir 4, lorsqu'il allait toucher le niveau 3. Je m'y retrouve, tout va très bien. D'accord ? C'est clair, fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant Rabbi Akiva vient et ajoute encore plus. Sache que Rabbi Hanana Sgana Kohanim, j'ai encore plus à dire. J'ai aussi une transmission encore plus forte que ça. Ama aussi Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a ajouté Mimehem Shel Kohanim, depuis toujours les Kohanim, lo nimneu miladlik et hashemen shinifsal bitvulyom. On se permettait, on ne s'empêchait pas, donc on se permettait, les Kohanim se permettaient de brûler, d'allumer une huile, les hadlik et hashemen, allumer une huile chez Nifsal Bitvulium qui a été rendue inapte en entrant en contact avec un Tvulium. On va expliquer c'est quoi un Tvulium. Donc un Tvulium qui est lui-même un Shlishi, non excusez-moi, il a un niveau de Sheni plutôt, il rend la Touma Shlishi. Bener, c'est une sorte de Touma le Tvulium, je vais vous dire tout de suite c'est quoi, je finis la phrase d'abord. On se permettait de le brûler béner dans une fiole chez Nitma Abit Mehmet qui a été rendu impur en entrant en contact avec un mort. Afalpish Mosifin Tumal Tumato, bien qu'on lui ajoutait de l'impureté à son impureté, on lui approfondissait son niveau d'impureté, on le rendait encore plus impur. Soit, d'abord, le Dvulium, il y a pour certaines impuretés, même lorsque l'on s'est trempé au mikvé pour devenir pur, malgré tout, durant la journée qui suit, on a un niveau particulier, on est en théorie pur, c'est-à-dire on n'est pas plus vraiment impur, on a ce qu'on appelle un niveau de tvulium, celui qui a été trempé dans la journée.
Désormais, il devra attendre le coucher pour plusieurs halakhot pour pouvoir manger la Trouma. Par exemple, il devra attendre le coucher du soleil pour pouvoir manger la Trouma. Il a fait, il s'est déjà trempé au migvé, et il doit maintenant nécessairement attendre la fin de cette journée, le coucher du soleil, pour pouvoir aller commencer à manger sa Trouma. Il a un niveau de Tvoulium. Le Tvoulium, il a un niveau de Sheni, et lorsqu'il va toucher une Trouma, il la rend inapte, il la rend Shlishi. Donc, si le Tvoulium, il a touché de l'huile, cette huile, elle est devenue Shlishi. Et la Mishnah, Rabbi Akiva vient, il m'enseigne, tu sais, Rabbi Hanina, ce que tu dis, moi j'ai encore plus à ajouter. C'est que depuis l'époque de Kohanim, on se permettait de brûler une huile qui a été impurifiée, qui était devenue shlishi, on l'a brûlée dans une fiole qui est devenue impure en entrant en contact avec un tmémet, avec un homme qui a touché un mort. D'accord ? Le met lui-même, c'est le avi avot. L'homme qui a touché le mort, c'est le avi, c'est le avatuma, donc c'est le niveau 2. Et donc, si cet homme-là, alors c'est là où il y a de nouveau la même anomalie, il va falloir tout augmenter, mais d'abord, on traduit littéralement, il a touché le tmémet, donc il était au niveau 2. Si lui, il va toucher un ustensile, alors il va en ustensile niveau 3. Et maintenant, tu me dis que le niveau 3, on le brûlait avec le niveau 5. Bon, ça veut dire que le 5, tu vas le rendre en 4. C'est très bien, mais dans ce cas-là, Rabbi Akiva, tu n'as rien à ajouter sur Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Alors quand il y a un problème dans la Mishnah de nouveau, c'est pour ça que le Barthénois, cette fois-ci, nous apporte quelque chose d'extra. Mais je vais d'abord pas vous dire le Barthénois, je vais dire plutôt, il y a une discussion en réalité sur ça, avec un petit détail, donc je préfère d'abord prendre ce qui est plutôt admis en général dans le chasse, dans la chitousot, quoi. C'est tout d'abord, il y a une halakha particulière. On a dit que chaque fois qu'une impureté touche quelque chose d'autre, il le rend impur en descendant un niveau. Soit, si je suis Av, je vais toucher une pomme, je vais la rendre Rishon, premier fils. D'accord ? Je suis le père, j'étais niveau 2, je l'ai rendu niveau 3. Eh bien, il y a une exception à la règle. C'est pour la Toumat Met, la Touma qui provient d'un mort, donc pour le mort lui-même, ou bien pour même celui qui a touché le mort, s'il va toucher un ustensile qui est en métal. Klimatechet. Il y a une halakha particulière, c'est déduit du passage de la Torah, Bachal al-Kherev, du fait que la Torah elle a dit, concrètement, la Torah elle a dit que le glaive avec lequel on tue un mort, ce glaive-là, cette épée, eh ben, elle a un statut de avi avot, comme le mort. On apprend de là une halakha spéciale que le matéret, le métal, lorsqu'il touche un mort, il prend le même niveau de Touma que lui. Idem, si le métal va toucher quelqu'un qui a touché le mort, ce métal-là, il va devenir Avatouma. Et c'est justement ce qui se passe ici. On parle en réalité, le Barthénois d'ailleurs, il commence tout de suite, Bener, Shenitma, Bitmemet, Hay, Ner, ce nerf-là, Shel Matechet. On parle d'un nerf de Matechet, qui était en métal, et pas un nerf qui était en argile. Puisque ce nerf, il est en métal, alors lorsqu'il va toucher le Avatouma, il va devenir lui-même Avatouma, donc il va rester niveau 2. Et là, Rabbi Akiva, il nous dit donc que depuis toujours, les Kohanim se permettaient de brûler une huile qui a été impurifiée au niveau 5, avec à la brûler, à la mettre dans un air, dans une fiole en métal, qui était de niveau 2. Et donc ça veut dire que maintenant, on va rendre le 5, on va le faire monter de niveau, il va devenir 3. Et malgré tout, on permettait de monter de niveau. Donc Rabbi Akiva est venu ajouter sur Rabbi Hanina, Sgana Kohanim. Et on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.